Allez, les gars, c'est traîné. C'est ce maudit chanvre. Lieutenant! Chut! À vos ordres. Le Commodore craint qu'une révolte n'éclate. Nous avons ordre de couler chaque maudit bateau pirate qui mouille dans ce port, ce soir. On va désobéir au gouverneur? Je vous ai donné un ordre, soldat. Vous allez prendre position sur le galion et attendre les instructions du Commodore. Suis-je clair? Aïe, sir! Quelle charogne du bas monde! Quelqu'un devrait aller gorger ce Commodore avant qu'il puisse transmettre ses ordres. Tu es sérieux? Sinon, on sera coincé ici. D'accord, je m'en occupe. Le Rhum vous a rendu fou. Je vais pas vous aider à tuer le Commodore, pas un des hommes du roi. On va pas tenter la fortune. Vas-y, je bouge pas d'ici. Sir, nous avons un message pour le Commodore. Une affaire urgente. Allez-y. Rogers et Chamberlain n'ont pas l'air de beaucoup s'aimer. Tu sais pourquoi? Le Commodore ne porte pas les civils dans son cœur. Et d'après certaines rumeurs, Rogers serait une sorte de jacobite. Ou pire, on dit qu'il est catholique. Il existe pire que ça. Arrêtez ces deux hommes là-bas. Suivez le mouvement et montez à bord. Le Commodore a du travail pour vous. Tout de suite. Hold there. Watch here, friend. L'air de beaucoup s'aimer. C'est pourquoi? Le Commodore ne porte pas les civils dans son cœur. Et d'après certaines rumeurs, Rogers serait une sorte de jacobite. Ou pire, on dit qu'il est catholique. Il existe pire que ça. Rameutez ces deux hommes là-bas. Suivez le mouvement et montez à bord! Le Commodore a du travail pour vous! Tout de suite! Tout... Il paraît que le Commodore n'arrête pas de maudire Rogers, de le traiter de païen et de Dieu sait quoi. Qu'est-ce qu'il y a entre eux? Tais-toi. Mieux vaut éviter de s'attirer les foudres du gouverneur. C'est un homme mystérieux. Je dois dire que j'ai bien plus peur du Commodore. Lui, il ne plaisante pas. Aucun sens de l'humour.
vaisseau et préparez-vous à lever le camp sur ordre du Commodore. Tout de suite. Un peu plus de nerfs. Parez à larguer le hunier à mon signal. Le gouverneur nous a accordé un pardon, Commodore. N'as-tu aucun respect pour la parole d'un homme? La vérole obscurcie ta raison. Pourquoi se démener à sauver de telles crapules? Vous êtes des parasites, vous vivez sur le dos des gens honnêtes. On prend exemple sur le roi Georges, rien de plus. Garde ta place, paysan. Tu m'as peut-être ôté la vie, mais tu te trompes si tu crois que la tienne en sera meilleure. As-tu encore quelque chose à ajouter? Sans ce païen de gouverneur Rogers, je t'aurais fait pendre à tes propres mâts, espèce de larve. Ton heure arrive.